Eh bien, bonsoir à tous, ici Daramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on va regarder comment c'est possible d'obtenir un plan de vaisseau de type épique, donc Enterprise. Chez les Klingons, c'est le D4 et chez les Romuliens, c'est l'Augure. Donc, chaque jour. Voilà, donc, je tiens à préciser que c'est une technique qui dépend entièrement du niveau. Si vous êtes plus bas niveau que moi, vous obtiendrez moins de crédits de faction, c'est plus haut niveau, vous en obtiendrez plus. Mais en moyenne, au niveau 32, c'est clairement possible d'obtenir assez de crédits de faction pour acheter un plan par jour en moyenne. Donc, première technique, les scouts. Les scouts, ils spawnent dans des systèmes de niveau 33 minimum. Personnellement, j'en trouve des fois ici à Haïti. Peut-être qu'il y en a un même ici. Pas malheureusement, mais je vais vous montrer une petite vidéo. Ah si, là, voilà, un scout. Et ça, ça donne des messages clans, voilà, ça dépend, ça peut être fédération, romulien ou Klingon. Et ensuite, on peut les utiliser dans les factions, ici, tout simplement. Peut-être que je montre, voilà, ici. Et tu peux obtenir, moi personnellement, c'est 350 crédits par jour. Ensuite, je vais vous montrer juste une petite vidéo où j'ai réussi à avoir deux scouts dans le même système. J'ai eu beaucoup de chance, c'est extrêmement rare de voir déjà un scout. Alors deux, ça m'est jamais arrivé et croyez-moi que j'en ai tapé du scout, notamment ici. J'en ai vraiment tapé beaucoup quand je montais la réputation des Klingons. Donc, l'autre technique, c'est la boutique d'événements. Alors je tiens à préciser que c'est des techniques qu'il faut utiliser tous les jours. Tu peux obtenir 75 crédits. Moi, comme je veux avoir des plans d'Enterprise, j'utilise seulement sur les crédits de faction, de fédération. Et j'en obtiens 75 par jour. Tu utilises les nanoprobes et tu peux acheter 75 crédits. Ensuite, les missions quotidiennes. Moi, je peux en obtenir en tapant des hostiles et en minant, je peux en obtenir 230. Les missions de base, normales entre guillemets. Je te conseille les missions à 100 de réputation positive, 100 000, parce que ça donne au minimum 500 de crédits de faction, dans la faction désirée bien sûr. Ensuite, tu as la chasse à la faction, donc c'est-à-dire tu as ces événements qui reviennent une fois par semaine, qui durent 2 jours, qui pour moi me donnent au premier palier 130, au deuxième 170, au troisième 260 et au quatrième 510. Ça me fait environ 1070, ça me fait 1070, et comme ça dure 2 jours, ça me fait 2140 en 2 jours de crédit de faction, notamment chez la Fédération, mais bien sûr chez les deux autres aussi, parce que je complète chaque palier. Parce que ces crédits de faction, il faut les avoir, ils sont extrêmement importants, pas seulement pour les vaisseaux, mais aussi pour augmenter les officiers. Ensuite, passons peut-être à la partie un peu moins agréable, mais c'est la partie payante, parce que tu peux quand même obtenir des crédits de faction en payant. Donc tu as ces packs Ultra Romulan Recruit Pack, Ultra Klingon Recruit Pack, Ultra Fédération nanana, qui te permettent d'obtenir, pour moi, 13,8K de crédits de faction. Souvent ils sortent des ces packs avec, ils disent que c'est une valeur améliorée, mais elle n'est pas améliorée sur les crédits de faction. Donc elle sera un peu mieux, je crois que tu as plus de latinium et tu as plus de 3 étoiles. Je crois que c'est tout. C'est pour le même prix, c'est toujours mieux, mais en termes de crédit, tu n'en auras pas plus. Donc ça sert à rien d'attendre un de ces packs améliorés, entre guillemets, parce que tu auras le même nombre de crédits. Et je tiens à préciser que ces packs ne sont pas aussi rentables que les packs pour, de l'Enterprise, de l'Augure et du D4. Pourquoi? Parce qu'avec autant de crédits de faction, moi je peux acheter 13 plans, alors que avec un pack d'Enterprise, j'ai 15 plans. Alors j'ai pas encore le pack d'Enterprise forcément parce que je suis pas niveau 34, je tiens à préciser. Les packs d'Enterprise, d'Augure, de D4 sont obtenables à partir du niveau 34. Donc, t'as aussi les armadas épiques, donc ça c'est en payant, tu peux obtenir des crédits de faction ici. Donc 1180, c'est plutôt pas mal, hein, pas se mentir. Mais tu peux aussi directement obtenir 150 Enterprise, 150 Augure. C'est sûr que ce serait un peu mieux. C'est aussi un moyen d'obtenir des vaisseaux. Alors, je vais récapituler, pardon. T'as les scouts,
T'as la boutique d'événements ici. Et les scouts spawn dans les systèmes 33 minimum. Et ce sont tous des intercepteurs. Donc si tu veux partir à la chasse aux scouts, limite, mettre LAN. Parce qu'elle est plus efficace sur les scouts et les intercepteurs. Donc les intercepteurs. Après, je te conseille pas. Hein, je te conseille quand même Pike Morotion. Ça reste quand même meilleur. Mais si tu tapes code l'intercepteur et que tout d'un coup il y a un scout qui spawn, mettre LAN. Plus efficace. T'as les missions quotidiennes. Les missions normales. La chasse à la faction, ça c'est les éléments gratuits et payants. T'as les armadas épiques, t'as les packs de recrues ultra, fédération, klingon, romulien, et t'as les packs bien sûr de vaisseaux eux-mêmes, donc Enterprise, Augure, des 4. Et j'ai pas parlé voilà du Gladius, du Brel, de l'Intrépide, parce que pour moi ce sont des vaisseaux qui sont un peu morts dans. En tout cas sur notre serveur, dans un mois, deux mois, ils seront obsolètes. Ça c'est sûr, même bien monté. Donc personnellement c'est pour ça que je vais éviter de prendre l'intrépide ou le Brel. Parce que je peux aussi avoir le Brel. Parce que bah, déjà l'intrépide est pas bon, c'est un mauvais vaisseau. Et le Brel il va être vite obsolète aussi hein, avec le D4, l'Augure et l'Enterprise. C'est pour ça que j'attends pour l'Enterprise. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, c'était Taramenel sur Star Trek.